rendez-vous est bel et bien respecté. Madame, messieurs, vous nous avez choisi pour vous informer à travers cette grande édition vespérale sur Face Télévision. En tout cas, vous les faites bien. Avec vous, nous allons faire la ronde de l'actualité qui a gangréné la République démocratique du Congo, mais aussi le monde entier dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette édition du journal par cette information en brève. Fin de la 15e épidémie d'Ebola au Nord Kivu. La déclaration a été faite ce mardi 27 septembre par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungane. Cela après 42 jours de surveillance renforcée. Aucun nouveau cas n'a été confirmé selon le protocole de l'Organisation mondiale de la santé. Pour vaincre ce fléau, les communautés sont invités à s'engager aux côtés de personnel de santé et des leaders politiques, mais aussi des leaders religieux, à en croire le numéro 1 de la santé en RDC, une exhortation pour éviter des potentiels rebondissements. Dirigeons-nous à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux étaient conviés ce mardi 27 septembre 2022 à une plénière avec comme ordre du jour, examen et adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre. Suivez les détails dans ce commentaire de Constance Chimanga. Une plénière avec comme ordre du jour, examen et adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2022. Néanmoins, il convient de mentionner que la rubrique matière non législative a été adoptée moyennant amendement. Dans cette rubrique, il y a l'entérinement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, le contrôle budgétaire et l'examen de rapport périodique et annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça, mais bien auparavant, le président Christophe Mboso avait rendu un hommage mérité au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son discours prononcé du haut de la tribune des Nations Unies en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Pour rendre à César ce qui est à César, nous avons suivi tous avec un grand intérêt, l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et d'un vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste à son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. À cet effet, le speaker a lancé un appel pathétique à tous les patriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo. Honorables députés, chers collègues, les peuples congolais, à travers ces élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir défendu brillamment l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, mise en péril par l'agression barbare du Rwanda, en violation totale du droit international. Pour ce faire, l'Assemblée nationale prévoit envoyer dans un bref délai des missions diplomatiques parlementaires auprès des partenaires et amis en Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie et autres de l'ONU afin de relayer le message du peuple congolais porté par le président de la République. D'une incision à une autre, dirigeons-nous à la primature. Analyse des pistes des solutions à apporter aux difficultés que rencontre la Société nationale des chemins de fer de la RDC. Cette problématique était au centre des échanges ce mardi entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et la délégation du comité de gestion de l'entreprise. Les images, vous les suivrez dans les prochaines éditions, mais ceci était avant que des questions sécuritaires du pays, particulièrement la situation dans le Grand Bandundu, soient évoquées. C'était au centre d'une importante réunion tenue lundi dernier à la primature par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Je vous prie de suivre ce commentaire de Constance Chimanga.
réunion sécuritaire autour de la situation qui prévaut à Kwamout, dans le Maïndombe, dans le Kwilu et dans le Kwango. Cette réunion a connu la participation du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, de la ministre d'État en charge de la justice, du ministre de la Défense nationale, du ministre de Finances, du ministre des Droits humains, du ministre des Affaires sociales, du vice-ministre du Budget, du gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que le service de sécurité et des renseignements. Selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, qui s'est confié à la presse à l'issue de cette séance de travail. Ce conflit communautaire, mais qui visiblement porte une main noire sur lui, doit être combattu par l'ensemble de notre peuple. Ainsi, la population est encouragée à s'élever et à participer activement et surtout à dénoncer ces infiltrés et inciviles congolais qui se permettent de commettre ces actes de déstabilisation du pays, a laissé entendre le VPM Daniel Asselo. Où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts, dans des savanes, en train de continuer à commettre des actes ignobles. Parce que ce sont des actes qui amènent même à la mort. Ainsi, nous encourageons notre peuple à se lever et à participer activement en ce qu'il doit dénoncer. Notons que la question des résurgences du phénomène Kuluna dans la capitale Kinshasa a été aussi abordée au cours de cette séance de travail. Et même l'armée, d'être debout, parce que ces gens-là ne peuvent pas continuer à donner la mort, ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font dans la ville de Kinshasa, où nous avons plus de 14 millions de personnes au jour d'aujourd'hui. Voilà. Signalons par ailleurs que les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises au cours de cette réunion afin de mettre fin à cette situation qui endeuille plusieurs familles au pays. Parlons coopération. François Hollande, ancien président français, est arrivé lundi 20 septembre 2022 dernier dans la soirée à Kinshasa. L'ancien chef de l'État français est venu en République démocratique du Congo en visite privée, d'où il effectuera une tournée à l'est du pays. Le prédécesseur d'Emmanuel Macron se rendra à l'hôpital de Panzi, dirigé par le prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Selon d'autres sources, François Hollande est accompagné d'un milliardaire, Georges Forrest. Un tour en province, direction Ituri. La MONUSCO promet de continuer à apporter son appui opérationnel aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pour imposer la paix dans la province de l'Ituri. Message confirmé par Kazim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, en charge de la protection et des opérations. C'était à l'issue de l'audience lui accordée par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri ce mardi. Suivez ce commentaire de Daniel Grasse Denago. La MONUSCO réaffirme son engagement indéfectible à appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo dans la stabilisation de la province de l'Ituri. Déclaration faite par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Nous avons témoigné à l'autorité provinciale que la MONUSCO reste disposée et entièrement engagée à accompagner les efforts du gouverneur. On a cheminé un long chemin depuis que le gouverneur est arrivé dans la province. Il y a plus d'une année, pendant les premières semaines de son arrivée, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'attaques sur les sites de déplacés. Et ça, il faut reconnaître aujourd'hui, même s'il y a quelques petits problèmes ça et là, il faut reconnaître qu'il y a une grande stabilité à ce niveau-là. Et donc, nous avançons petit à petit, mais nous avançons sûrement. Et comme je le dis,
L'accompagnement, en tout cas, de la MONUSCO est total. Kazmi Diagne remercie l'autorité de la province pour son implication contre toute manifestation anti-MONUSCO dans cette partie du pays. Notre gratitude et nos remerciements à son Excellence le gouverneur de province pour son appui constant, son accompagnement, sa solidarité, ses conseils, son appui aux activités de la MONUSCO dans la province. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, dans un certain nombre de territoires, surtout dans le Nord Kivu, mais également quelque part dans le Sud Kivu, nous avons traversé des moments difficiles. Mais ce n'était pas le cas ici, dans l'Ituri, parce que le leadership du gouverneur, son engagement et son appui nous a permis de traverser ces moments difficiles. Donc, au nom de Mme Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général pour la MONUSCO, et au nom de l'ensemble des collègues, non seulement de la MONUSCO, mais des Nations Unies, j'aimerais lui exprimer ici notre profonde gratitude. La présence du numéro D de la MONUSCO en RDC confirme le retrait graduel de la MONUSCO, ainsi que la possibilité de la mise en œuvre effective du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Restons toujours en Ituri. Reprise du procès de meurtre de deux ressortissants chinois en Ituri le 26 septembre 2022 à Bunia. Deux colonels de forces armées de la République démocratique du Congo sont éclaboussés par l'un des prévenus, cité comme des commanditaires de cette opération criminelle qu'ils avaient poussée à récupérer 4 lingots d'or des victimes après la mission accomplie pour les vendre dans la province du Nord Kivu. Suivez cet élément que vous propose la presse militaire en Ituri. Avant de cracher la vérité devant la cour militaire, le prévenu Joël a sollicité quelques minutes de repos. 45 minutes après, il revient à la barre et donne la vraie version des faits. Il cite le colonel Kayumba et le colonel Mukalenga comme les commanditaires des braquages contre les convois des Chinois. Acte d'abord que le prévenu, après le repos pour calmer ses nerfs, il demande pardon à la cour pour l'avoir fait marcher. Maintenant, il veut dire la vérité, rien que la vérité. Allez-y, petit frère. Ngande Nazar, Batu Batinda Biso Mouvnini, Axioana, Ezaba Colonel, Bangonio Sumbali. Voyager Nangao Kende Goma, Tokenda na Colonel Mukelenge. Oui. Tokenda na Mutukana. Oui. Lui, Joël, un taximen à la ville de Bunia, et le prévenu Otuzo ont confirmé leur participation à cette opération criminelle et a coûté la vie à deux ressortissants chinois mars dernier vers Ndérémbi en territoire de Romo. 4 lingots d'or et plus de 6 000 $ américains récupérés après ce braquage ont été remis aux deux officiers FARDC, a-t-il ajouté. Oui. Version confirmée par le prévenu Otuzo. Acte que, à la question de savoir qui a organisé le coup, Otuzo a dit que, en tout cas, il n'y a plus moyen. Joël a dit toute la vérité à Panzi secret. Le ministère public s'en réjouit. Et la vérité est éclatée aujourd'hui. Nous nous imprimons. Merci, monsieur le ministre public. Mais les deux officiers supérieurs des FARDC clament leur innocence, en même temps se rejettent la responsabilité. Ces procès, dirigés par le premier président de la cour militaire de l'Ituri, colonel magistrat Dienga Akelele, se poursuit à la tribune officielle de Bunia. En tout cas, que la justice fasse son travail. D'une province à une autre, la population de la ville de Goma peut dorénavant circuler sans inquiétude et sans limite d'heure. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, vient de signer un arrêté lundi dernier portant levée du couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Suivez. Considérant les recommandations formulées
par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie au commandant de la 3e zone de défense et le commandant corps de protection des parcs nationaux en sigle corps PPN, tenu à Goma en date du 26 septembre 2022. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Élever la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 4. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseiller principal ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commandant 33e groupement naval, le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement, le directeur provincial de la Direction générale de migration, les maires des villes ainsi que les administrateurs des territoires sont chargés, chacun en ce qu'il concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Goma, le 26 septembre 2022. Ndima Kongba Constant, lieutenant général. Pour copie certifiée conforme à l'original, Goma, le 26 septembre 2022, le cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, Ovid Pierre Litté, directeur de cabinet. Autre chose à présent, le 27 septembre de chaque année, le monde célèbre le tourisme, une journée qui permet de faire mieux connaître mondialement la valeur du tourisme sur le plan social, culturel, politique et économique, ainsi que la contribution du secteur à la réalisation des objectifs de développement durable. Noé Lambeau est allé à la rencontre des quelques Kinois sur ce qui est du tourisme en République démocratique du Congo. Suivez. Chaque 27 septembre de chaque année, la Journée mondiale du tourisme permet de valoriser la culture sur le plan touristique, mais cette culture reste oubliée par plusieurs Congolais. Interrogés sur la pratique touristique, certains disent ne pas pratiquer du tourisme parce qu'à Kinshasa, plusieurs sites touristiques coûtent cher. Comme la Kingaka, il y a un bateau collé. Pour aller là-bas, ça demande plus ou moins $20. Donc $20, ça veut dire illégal. La Kingaka, du coup, on a 5 ans et quelques. La famille, ça va 60 ou 50 de dollars. Pour aller, on a beaucoup de vieux pour faire. On a 50 dollars. Pour aller visiter, et là, on a un peu de temps. Le tourisme, il y a un respect. Pour d'autres, ils préfèrent aller dans des restaurants que dans des sites touristiques. Vraiment, ça manque d'avoir des moyens. Sur les sites, avant d'aller, il faut avoir quelque chose. Il faut bien s'organiser, surtout pour nous les jeunes. Pour aller aux sites touristiques, Signalons que le tourisme est devenu une source de plusieurs millions dans les caisses de l'État. La RDC doit battre un grand travail pour relever ces secteurs.
Parlons politique dans cette édition. Martine Okondji vient d'être élue présidente de la Ligue des femmes du parti Alliance des chrétiens démocrates progressistes. C'était au cours d'un déjeuner d'échange entre les femmes qui s'est tenu lundi 26 septembre 2022 au restaurant La Rose. Prisca Nsiloulou pour les commentaires. C'était au cours du déjeuner d'échange entre les femmes de la CDP le lundi 26 septembre dernier que cette force féminine du parti a jeté son dévolu sur Martine Okondji, qui va chapeauter le nouveau comité de la Ligue de femmes composé de 7 membres. Il s'y est de noter que le secrétaire général de cette partie, José Kiakanda, et l'autorité morale, Bienvenue Luyoto, ont salué les efforts de femmes pour avoir mis sur pied ces nouveaux comités. L'Union pour le développement social, UDS en sigle, a effectué sa sortie officielle. La cérémonie a eu lieu en Djili, marquée par la remise des brevets à ceux qui ont participé à la première formation organisée par cette structure de la société civile. Marie-Christophe Kabunda pour les détails. UDS, Union pour le développement social, est une nouvelle structure qui vient de voir le jour dans le monde des structures de la société civile. Elle a effectué sa sortie officielle en Djili. Monsieur Théo, qui est son président, parle de cette manifestation qui valait son pesant d'or. Transformation des anacates, environnement des anacates. Ce que nous sommes dans les villes, nous sommes portés par pionniers. Environnement, autre chose, nous avons tout le monde à Banzetele, nous avons fait chef de l'État, nous avons fait 1 milliard d'armes. Nous sommes capables de faire. UDS est une structure qui tient à évoluer dans le domaine de l'agriculture, élevage, transformation environnement, question de se rapprocher davantage des cellules de base. La structure de la société civile, association sans but lucratif dénommée Compagnon pour les actions de Félix Tshisekedi CAF en sigle, a fait un don de cahiers à quelques membres de la structure, une façon pour le président Sébastien Kabengele de soutenir la gratuité de l'enseignement prôné par le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi. Une fois de plus, Marie-Christophe Kabunda. Appuyer la gratuité de l'enseignement est une question patriotique et d'abnégation. Motivation comprise par Sébastien Kabengele Kabeya, président national de CAF, Compagnon pour les actions de Félix Tshisekedi, qui a fait un don des objets classiques à quelques membres de sa structure. Topé Sibino, ma tondi mingi, biso ba o tondima, ko accompagné chef de l'État, la makanisne ma lamu. Ya ko bongisa mboka na biso a Congo to lo bakete biso toza ba député te mais to monai ke mboka na biso e bongaki na mutu oyo kwaza na bo mwana mboka o to ebi malamu wa ko ya na makanisi ya ko yibate ba ina makanisi ya ko bongisa mboka po batu nyonso ba se retrouver to monaki ke soyi to bengisi batu nyonso ba ya awa. Peut-être que vous avez pour tous ébélé. Compagnon, pour les actions. Tout le monde a dit que vous avez tellement ébélé. Si vous avez dit que Bissot est ma compagnon, vous avez dit. En tout cas, moi, je suis un Bissot et que vous avez dit que vous avez dit. Il y a un mot, vous avez dit que sélection. Vous avez dit que 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 moi, cahier moko. Moi, bik moko. Ok, il faut sa bana. Bana bazonga classe. Bakoma. Il faut que tu aies classe.
parce que bandeko ya fachi bakanisa kibiso. CAFA SBL totalise 4 ans d'existence le 24 novembre 2022 et à cette occasion de manifestations sont déjà programmées pour rendre l'utile à l'agréable. Prenons cette information en bref qui concerne l'enseignement supérieur et universitaire. Arrêt des activités académiques à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. L'association des professeurs de l'IFACIC ont décidé dès ce mardi 27 septembre de suspendre les enseignements jusqu'à nouvel ordre. C'est à l'issue d'une assemblée extraordinaire tenue le lundi 26 septembre dernier. Les membres de cette association ont pris cette décision qui rentre dans l'intelligence du réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo qui avait décrété jeudi 22 septembre dernier l'arrêt de toutes les activités scientifiques et académiques dans tous les établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire sur toute l'étendue du territoire national. Et pour boucler complètement cette édition, prenons cette information encore en bref, mais qui concerne le sport. Après un nul de 0-0 à Addis Abeba, les Léopards U23 de la République démocratique du Congo ont la qualification de ce mardi 27 septembre au stade Martyr de Kinshasa en battant l'équipe nationale éthiopienne sur le score d'un 0-1, match comptant des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023 de moins de 23 ans. L'unique but de la partie était l'œuvre de Akram Bongonga. Grâce à cette victoire, les Fofs congolais ont volé leur ticket pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN 2023 au Maroc. Ça n'est complètement fini. Avec cette grande édition, vous avez été très nombreux de nous suivre de partout où vous êtes. Madame, messieurs, faites toujours confiance à votre chaîne Leader des Directs en République démocratique du Congo. Et je dédie cette édition à Maman Margot Nyota qui nous suit depuis Bandal. Merci.